Et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Farming Simulator 19 pour notre série La petite entreprise forestière. Donc j'espère que le premier épisode vous a plu, là on fait le deuxième. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira autant sur cette map. Donc comme vous voyez, tout a... Il y a des trucs qui étaient tombés, vous voyez du véhicule, etc. Je vais vous expliquer. Ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai changé, j'ai pris là une nouvelle version du 7810. Du coup, comme j'avais l'ancienne version, ça l'a enlevé de la partie. Du coup, j'ai dû le racheter. J'ai dû racheter cette fois-ci la nouvelle version et non l'ancienne, d'accord? Voilà le petit beau machin. J'ai mis pas mal de modes. Bon, il faut encore que je télécharge certaines modes qui nous plaira tant et d'autres. Donc le petit 7000, voilà, qui fait le bon bruit, etc. Aussi j'avais testé le petit Renault que j'avais déchargé, mais sauf qu'il n'y a pas la... en fait il y a une autre version, mais je vous montrerai sur l'épisode 17. Donc voilà, merci pour tous les commentaires de l'épisode 16, hein. C'est très cool, je le redirai. Donc j'ai dû racheter le Renault, le jeune dire. Donc voilà, voilà, j'ai coupé des arbres, donc il y a 10 arbres de tomber. Alors j'ai pas le mode pour soulever les bois, d'accord, parce qu'on voulait mettre, je voulais les mettre dans la benne, mais je ne je l'ai pas. Non, je l'ai pas. De toute façon je suis sûr que si je fais F1, ouais, ça bug un peu. L'objet est trop lourd, oui. Je me le dis, hein, désolé. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, parce que j'avais, il y avait des trucs que je n'ai pas acheté. Du coup, j'ai dû racheter un petit peu en off. Donc vous voyez, hein, on a toujours le petit buggy, la petite remorque, le petit 4x4 qu'on a, le petit camion qui va nous servir pour l'instant pour transporter des trucs. Le 7800, on l'a toujours, mais cette fois-ci c'est la nouvelle version, parce que l'autre, comme je vous ai dit, a été delete automatiquement, comme j'avais plus l'ancienne version. Voilà, comme j'avais mis la nouvelle, et du coup j'ai dû le racheter. Et donc on a toujours nos petits trucs. Désolé pour les notifs, hein, désolé, hein, j'ai pas enlevé, mais bon, ça fait partie du truc. On a toujours le notre œil qui fonctionne. J'ai testé là, tout à l'heure, ça fonctionne parce qu'il y avait deux arbres, ceci et ceci. Alors faut savoir que j'ai fait tomber celui-là, j'ai fait tomber celui-là, et j'ai regardé un peu la concession. On a tout ce côté tout le long là-bas. On aura pas mal de boulot. J'ai acheté aussi un petit mode très sympa parce que j'avais une version de ce tracteur. Alors j'avais plusieurs versions et du coup j'ai trouvé une version, donc c'est cette version là, avec un sort d'issé où on peut ouvrir cette porte ici, la petite vitre arrière et le petit toit du tracteur à l'intérieur. Il fait un bon bruit. Alors, on a trois types de couleurs, on a couleur repeinte, couleur ancienne. Donc moi j'ai essayé de voir la plus ancienne possible. Voilà, alors les jantes, c'est moi qui les a personnalisées, hein. Je les ai mis en noir, hein, mais ils sont en blanc, et je crois qu'il y a deux personnalisations de pneus, je crois, et plusieurs personnalisations de moteur. Voilà, et j'ai acheté, parce que vous voyez en banque on a que 165 000 euros, j'ai acheté donc la machine. Du coup j'ai fait des petits tests et tout, donc je voulais prendre un petit... je vais vous montrer. Les petits 800, les petits 850, 830, etc. J'ai pris le celui-là. Et donc c'est celui-là, hein. Il y a plein de personnalisations. Je sais pas si je peux vous montrer, je sais si vous... Ouais. Voilà. Donc après vous pouvez personnaliser la couleur principale, du récent ou l'ancien. Couleur des jantes noire ou machin, moi je l'ai mis en blanc, si ça vous plaît, moi ça me plaît, hein, ça lui va bien. Et après ça je sais pas ce que c'est, dites moi dans les commentaires, parce que moi je ne sais pas. Est-ce que c'est les motifs d'intérieur? Ah, peut-être, ouais. Bon, on verra bien. Après on peut configurer les pneus, la configuration des pneus, personnaliser ça, c'est pour personnaliser si vous mettez une masse ou un relevage. Ici vous pouvez personnaliser le pot d'échappement,
Ici, on peut mettre un chargeur avant. La capacité, c'est de 137. Bon, moi, je l'ai mis à 200 litres. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai fait pas mal de dépenses. J'ai même fait le plein de la remorque pour notre. Oh, désolé. Notre petite entreprise. Et j'ai cru que j'avais pas la tronçonneuse, mais je l'ai. Attention. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, comme j'ai pas le mode pour soulever les trucs, ce qu'on va faire, on va faire que de l'élagage dans cette vidéo. Bon, on va commencer par celui-là. Alors j'espère que le son est pas trop fort. Voilà. Oula. Voilà. Quand même. Donc voilà, donc les petits sapins aussi, hein, ils vont dégager, ils sont physiques, ouais. Lui, ça va être un petit peu plus compliqué. Ouais, un petit peu compliqué, je sais pas comment on va faire. Chou. Voilà, et j'ai mis aussi d'autres modes, hein. J'ai mis une pince aussi. Qu'on achètera plus tard si je regarde bien le bout. Donc voilà un petit peu. Donc aujourd'hui c'est comme j'ai dit, c'est une petite vidéo, c'est une petite série descendant. C'est un peu buggy la tronçonneuse, je sais pas pourquoi. Pardon, je suis où dans le chemin? Donc il faut savoir que j'ai. Je vais vous montrer. En fait, j'ai ici. Ici, juste ici, je crois que j'ai ces deux terrains. Non, j'ai même celui-là. Après, je sais pas comment faire accéder à celui-là, soit par la route, soit on verra bien. Parce qu'après, on pourra racheter du terrain plus tard. Hein. Lui. Je ne sais même pas s'il sera rentable, il faudra regarder, mais voilà. Ça fait propre. Bon, lui, je sais pas comment faire. Lui, il est tombé dessous l'autre. Peut-être tout à l'heure je vais tourner la vidéo, ben l'épisode 16 si je veux. Il y en a deux en fait maintenant. Donc on verra bien. Voilà, après on remettra des choses plaçables. Le si. Voilà, donc il y a encore d'autres bûches. On a celui-là aussi. Donc ce sera une petite vidéo, je sais pas combien de temps. Mais au moins j'espère que cette série vous plaira. Ça sera un, ça va, on pourra avoir, en fait on pourra varier entre
Merci. Alors, on pourra varier entre du partir de zéro. Ben, à mon avis, c'est bon. Ah, demain, une autre. Donc voilà. En fait, il y en a deux. Lui aussi, il a pas tombé parce qu'il est sur l'autre. Voilà, mais au moins ça sera dégagé. Donc comme j'ai au bord de la route, on pourra en tomber vers la route là. On verra bien. J'ai pas fini. Ouais, mais il faut faire celui-là aussi. Bon, on verra bien. Ah bah, il y en avait bien d'autres. Hein. Voilà, donc on verra bien. On va tirer. Ce qu'on va faire, je vais essayer de tirer. Alors j'ai même mis le mode. Alors, il y est, non, ah non, parce qu'il faut que je sois dans un véhicule. Mais je vais vous montrer le mode. C'est une sorte de gearbox, mais en fait, c'est le truc add-on, je sais plus. Voilà. Et vous voyez au-dessus d'essence et tout, il y a le degré, alors ça va être le truc GPS, tout je pense, et H1 32 machin, c'est le gearbox. Ouais, parce que maintenant je remets le gearbox, je l'avais bien mis sur FD17, maintenant voilà, je l'ai enlevé, je l'avais enlevé au bout d'un moment, je l'avais remis sur FD17, et puis là j'ai dit pourquoi pas le refaire, et du coup, sur ma partie perso, j'ai envie de jouer RP tout le temps en faisant ça. Ça me donne un petit peu, et en plus j'ai une manual machine, donc pas ici. Faudrait que je le mette lui aussi. Le truc de couleur de terrain, ben je l'ai pas mis. Alors on va démarrer. Je voulais savoir un truc. Alors ça c'est klaxon. Il n'y a pas. Non. Là c'est les lampes. Bon, il y a plusieurs lampes, c'est un peu compliqué. On a 10. Il n'y avait pas une touche plus, moins, un truc comme ça. Bah, c'est simple. On va regarder sur les touches du machin. Donc, oh là, c'est l'autoload. Je sais pas. Est-ce que j'ai mis la lumière derrière? Je vois. Ouais, j'ai mis la lumière ici. Alors on active. Voilà. Et je vais accélérer. Alors ça va faire beaucoup de bruit. Et après j'appuie sur O. Non, il faut que je me sens bien. C'est bon, je l'ai. Et on va tirer ceci. Non, lui faudrait je vais tirer lui en, je vais tirer lui en premier du coup. Et on fait B, hop, et après je crois que je peux faire W d'ici. Ouais, il est ouais, mais lui il est complètement. Lui il est complètement coincé. Et lui, je sais même pas s'il va venir lui. Ouais, il est bloqué par l'autre, donc c'est pas la peine. Mais faut faire gaffe parce que des fois ça fait bouger le tracteur. Donc on va faire, on va se laisser là pour ce truc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à disliker cette vidéo. Et nous on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.